عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو على عمر حياتي ما أغير من صفاتي، لو على عمر حياتي ما أغير من صفاتي، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد، سنت بهدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إدعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغرر. أما بعد، on reprend avec les séries des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Et la dernière qu'on a vue, c'est Zainab, fille de Jahsh. Aujourd'hui, on va voir une autre mère des croyants. Elle s'appelle Burra, à la base, la fille d'Al-Harith. Et Al-Harith, c'est le chef de sa tribu. Donc c'est une fille de chef. C'est une fille qui a grandi dans la noblesse de la tribu, dans la richesse de son père et dans le prestige familial. Elle était mariée avec son cousin Musafir. Ben el-Mustaliq, comme d'autres tribus de la région de Médine, font partie des tribus qui complotaient contre le prophète de l'islam. Depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné pouvoir à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son prophète, depuis qu'il s'est installé à Médine, l'islam n'a cessé de recevoir des piques et des agressions. Que ce soit des polythéistes, ou que Quraishites bien sûr, ou que ce soit des tribus avoisinantes à Médine, qui n'ont pas apprécié cette nouvelle religion, ce nouveau visage qui gouverne, il est étrange pour eux. Ils ont tout fait pour le combattre, à travers des complots et parfois à travers des déclarations directes. Alors après la bataille de Bani Qurayda, ceux qui ont tué 70 compagnons par trahison, alors une fois que la bataille finit, retour à Médine, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il avait des espions, des gens qui lui ramenaient des informations parmi les croyants. Bien sûr, un état, quelqu'un va entendre le mot espion, il va dire le prophète il avait des espions. Non, des espions dans le cadre de l'état. Tout État doit être protégé. Tout État doit veiller, avoir l'œil ouvert, savoir qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. L'islam s'est installé, ce n'est pas sous les applaudissements et le tapis rouge et les roses. L'islam s'est installé à Médine. Et il y a des tribus que ça ne leur fait pas les affaires de voir l'islam installé à Médine. Il y a les Byzantins de l'autre côté que ça ne fait pas leur affaire voir un nouveau système et régime s'installer aux péninsules arabiques. Donc, il y avait des choses qui bougeaient. Et donc, le prophète, il avait des yeux, des regards, des gens qui surveillaient les tribus avoisinantes et qui surveillaient les mouvements des armées et des gens ennemis. Et Bani al-Mustaliq, ils étaient encore polythéistes. Ils n'ont pas embrassé l'islam. Alors, après le retour de Bani Qurayda, il reçoit l'information. Banu al-Mustaliq, ils ont décidé d'attaquer en douceur. Ils sont en train de se préparer en douceur. Ils veulent te faire la surprise, prophète d'Allah, en t'attaquant à Médine, chez toi. L'information, il est authentique. Alors, et comme on dit, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer. Au lieu que j'attends qu'ils viennent me voir, je vais les attaquer. Effectivement, il s'est précipité, sallallahu alayhi wa sallam, il a préparé l'armée et s'est dirigé à Bani al-Mustaliq. Ils se sont croisés un lieu, il y a un oasis d'eau qu'on appelle Mouraïsir. C'est là où il y a eu la bataille. Allah subhanahu wa ta'ala a fait triompher son prophète. Et l'on a fait des prisonniers, hommes et femmes. Il y en a 10 de Bani al-Mustaliq qui ont été tués. Et il y a un seul musulman qui a été tué par erreur.
Ils ont perdu 10 de leur côté, un du côté des croyants. Parmi les prisonniers, il y avait la fille du chef de Bani Mustaliq, Burra, parmi les prisonniers. Donc le prophète, il a donné un des compagnons comme part de butin. Elle est à toi. Et on peut se poser la question, mais c'est quoi ça le partage? Il faut savoir que le prophète, il réagit dans ce contexte de la même façon que les autres en état de guerre vont réagir. De la même façon. C'est-à-dire, imaginez Bani Mustaliq, ils vont gagner la bataille. Qu'est-ce qu'ils vont accorder aux croyants? Ils vont faire des prisonniers, ils vont faire des esclaves. Et donc ça, c'est dans le cadre de traitement de guerre. C'est la règle. Mais avec une différence. Le prophète, dans son traitement, il traite les gens par noblesse, par respect. Cette femme-là, il a compris que l'islam est une religion de liberté et non une religion d'esclavage. Donc ici, il s'est mis d'accord avec le monsieur. Il lui a dit, est-ce que tu acceptes que j'achète ma liberté? Il s'est mis d'accord avec elle, avec un ensemble de 7 pièces en argent. Alors il est parti voir le prophète, alayhi salam. Il est rentré, et en entrant déjà, Aïcha radiallahu anha, quand elle l'a vu, elle n'a pas aimé. C'était une jeune fille, la vingtaine, et elle avait une beauté. Il est rentré, il lui a dit, prophète d'Allah, je suis la fille d'Al-Harith, fils de Abi Dirar, le maître des Bani Mustaliq. C'est-à-dire, je suis une fille de noble. Voilà, je suis prisonnière de guerre. Et je veux acheter ma liberté. Et j'ai conclu un contrat avec le compagnon. Il accepte. Est-ce que tu peux m'aider à devenir libre? Alors le prophète, il lui dit, je t'offre mieux. C'est pas seulement ta liberté. Je t'offre mieux. Il lui a dit, alors c'est quoi le mieux? Il lui a dit, ta liberté, tu deviens mon épouse. Elle a accepté. Là, je m'arrête. Je m'arrête ici parce que on est actuellement dans une sensibilité avec toutes les agressions que reçoit l'islam. Le musulman, il est très sensible à ces récits. Vu comment l'Occident il présente les choses, vu comment les droits, libertés, les conventions, un musulman va dire, alors je dis à tout musulman, musulmane, ne te précipite pas à juger ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu te trompes. Déjà le fait qu'il se marie avec le prophète, c'est une bonne chose. Et personne ne peut rejeter cela. Elle devient épouse, c'est une chose. Et le prophète ne l'a pas choisi, à cause de sa beauté ou à cause qu'elle était jeune. Non. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est quoi le mieux qu'il lui a offert? C'est quoi le mieux? Arrêtez là, oui, c'est le mieux, deviens mon épouse et je liquide le contrat. C'est ça le mieux? Non. Le mieux, vous savez, c'est quoi? C'est que les compagnons, ils avaient des prisonniers et des esclaves. Ils vont entendre que le prophète s'est marié avec Burra, bint al-Harith. Ils ont dit la honte à nous. On va garder chez nous les prisonniers et les esclaves de la belle famille du prophète? Pas question. Ils se sont tous précipités à libérer les esclaves, à libérer les prisonniers. Plus que 100 prisonniers et esclaves ont été libérés en ce jour du mariage du prophète alayhi salatu salam avec la fille du chef. C'est ça ce que le prophète lui a offert. N'achète pas que ta liberté. Achète plutôt la liberté de tous les prisonniers de ta communauté et les esclaves. C'est ça le meilleur. Et la cerise sur le gâteau, c'est quoi? Tu te maries avec le prophète d'Allah. Ça, il faut le retenir. Pour mieux, bien comprendre la personnalité de notre prophète alayhi salat ou salam, c'est un prophète de noblesse. C'est pas un prophète qui cherche le plaisir et le désir. Loin de là. Loin de là. Mais il cherche à rassembler les tribus. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le père de Burra? Quand il a appris que sa fille est devenue prisonnière, il a pris son chameau avec lui pour chercher la liberté de sa fille. Et arrivé à Médine, à quelques kilomètres, derrière une colline, il a regardé les 100 chameaux, il a apprécié 2 chameaux. Ils sont beaux. Il a dit quand même, ceux-là je ne vais pas les donner à Mohammed. Donc il les a attachés derrière la colline. Ceux-là je les garde pour moi. Il est parti, il est rentré à Médine, il s'est présenté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il m'a dit, je suis Al-Harith, le maître de ma tribu, et je suis venu libérer ma fille. Ma fille, c'est la fille d'un maître, c'est la fille d'un noble, et ce n'est pas une fille qui mérite d'être esclave. Je suis venu la libérer. La fille est déjà libérée. La fille a déjà été libérée, et il a accepté le mariage avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète le regarde, il dit, Al-Harith, qu'est-ce que tu as fait avec les deux chameaux que tu as laissé là-bas, derrière la colline? Quoi? Eh oui, oui, oui. Alors il s'est mis debout, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka rasulullah. Wallah, il n'y a personne qui sait ce que j'ai fait. Personne ne le sait. J'ai pris les chameaux à l'écart, en clandestinité, en discrétion, et je les ai cachés. Et là, tu viens de m'annoncer. Donc, tu es vraiment le prophète d'Allah. Al-Harith, il accepte l'islam. Il accepte de retourner chez sa communauté. Il donne rendez-vous au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, un rendez-vous pour te ramener la zakat, de la richesse. On a de la richesse. Tu m'envoies ton émissaire, il viendra la chercher. À telle date. Ils ont fixé une date. Effectivement, arrivé la date, ou presque, le prophète, il choisit Hat ibn Abi Bilta'a. Il lui dit, va voir Al-Harith ibn Abi Dirar et va ramener la zakat. Il attend. Al-Hat, sur l'itinéraire, il se rappelle la bataille de Bani al-Mustaliq et qu'il y a déjà eu une guerre entre le prophète et sa tribu. Il a eu peur. Satan lui a soufflé. Et qui te dit que ces gens-là sont toujours musulmans? Et qui te dit que ces gens-là ne vont pas revenir sur leur islam? Et qui te dit que si tu arrives ces gens-là, tu leur demandes la zakat, ils vont te tuer? Qui? Tu n'as aucune assurance. Hatib fait demi-tour, il revient à Médine, le prophète dit, qu'est-ce qu'il y en est? Il dit, j'y étais et j'ai senti la trahison. Et j'ai eu peur et je suis revenu. Il a menti pour se défendre. Alors le prophète, il voit une délégation qui va investiguer. Est-ce que vrai ce qu'il dit, Al-Hatib? Sur la route, la délégation, elle croise Al-Harith qui revient avec la zakat. Car Al-Harith arrivait le temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé sa communauté. Il leur a dit, j'ai fixé une date avec le prophète et son émissaire n'est pas venu me voir. Et par peur de recevoir la malédiction d'Allah ou la colère de son prophète, je rassemble la zakat et qu'est-ce que vous pensez que je dois faire? Que dois-je faire? Ils ont dit, tu la lui ramènes. Et sur la route vers Médine, il a croisé la délégation. Et les gars de la délégation lui ont dit, t'es pas gêné toi? Tu oses? Le prophète t'envoie son émissaire et tu as voulu le tuer? Il leur a dit, j'en ai reçu aucun. Je n'ai reçu aucun émissaire. Je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas parlé. Et la zakat, elle est là. Alors ils sont partis voir le prophète. Il a répété la même chose. Il a dit, prophète d'Allah, le rendez-vous est arrivé. J'avais peur qu'une malédiction, qu'une colère d'Allah tombe sur moi et je t'ai ramené la zakat moi-même. Voilà, il est là. Ton émissaire, ni vu, ni connu, jamais. Point. Là, commentons cet événement. Combien de musulmans doivent s'acquitter de la zakat? Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Il y en a beaucoup qui ne s'en acquittent pas. Hatib, peur de malédiction d'Allah et colère du prophète. Il rassemble la zakat, il va la ramener lui-même. Première leçon à tirer. Deuxième leçon. Al-Harith, c'est qui maintenant? Depuis la bataille et depuis le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sa fille, il est qui? Le beau-père, à qui? Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu dire, je suis le beau-père du prophète, je ne paye pas de zakat. Comme font beaucoup de citoyens aujourd'hui. Je connais le ministre, je connais le commissaire, je connais le préfet, je connais telle personne, je ne paye pas la zakat. On est famille. Dans l'islam, ça n'existe pas. Malgré qu'il est le beau-père, et malgré qu'il y a sur les récits, c'est une autre histoire, une divergence. Mais tout cela ne lui donne pas le droit de garder la zakat. Au contraire, il la ramène et il a peur de la malédiction d'Allah et la colère de son prophète. Il veut s'acquitter de sa zakat. Et l'islam, son but, quand il libère les gens,
quand il leur donne leur liberté. Le but de l'islam est d'ailleurs le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on est en train d'étudier cela. C'est quoi le but du mariage du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? C'est le rassemblement. Rassembler les gens autour de lui. Rassembler les gens, c'est très important. Faire en sorte que les gens aiment l'islam. Que les gens aiment soutenir l'islam. Les gens, une fois qu'ils connaissent le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils changent d'avis. Subhanallah. Combien de sahabis nous dit avant l'islam, mon ennemi, c'était le prophète. Une fois que j'ai embrassé l'islam, je donnerai mon âme, ma richesse pour le défendre. Plusieurs racontent cela. Comme quoi, la connaissance, la proximité, traiter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, discuter avec lui, leur fait aimer ce personnage et leur fait aimer la religion de l'islam. La fille de Hatim Ta'i. Hatim Ta'i, c'est une personnalité qui est devenue légendaire chez les Arabes. Sa générosité, l'hospitalité. Hatim Ta'i, c'est une personnalité légendaire, malgré qu'il était avant l'islam. Hatim Ta'i était tué dans une bataille. Son fils s'est échappé, il était chrétien. Sa fille s'est fait prisonnière. Alors, quand les sahaba ils ont présenté les prisonniers, il y avait cette femme avec eux. Et cette femme, il regarde le prophète, il lui dit, oh prophète d'Allah, le père est mort. Celui qui doit me sauver, me protéger, il s'est évadé. Je suis la fille de Hatim. C'est-à-dire, regarde la fille du noble, de la légende, de la générosité, de l'hospitalité, et les prisonnières aujourd'hui. Alors le prophète, il le regarde, il lui dit, et c'est qui celui-là qui devrait te protéger? Il lui a dit, mon frère, Adi. Ah, celui qui a pris la fuite, il n'a pas répondu au message d'Allah et de son prophète, il baissa sa tête, mais son nom, il la laisse. Le lendemain, il est venu le voir, il lui a dit la même chose. Ô prophète d'Allah, le père a été tué, le protecteur s'est évadé, je suis la fille de Hatim, c'est-à-dire, est-ce qu'une fille de noble, de légende, mérite cela, être prisonnière? Il lui répète la même question. Comme tu me répètes, je vais te répéter. C'est qui celui qui doit te protéger? Il lui a dit, mon frère, Adi. Ah, celui qui s'est évadé, le fouillard, le lâche, qui a tourné le dos à Allah et son prophète, et il la laisse. Ali, radiallahu anhu, il lui dit, écoute, ne lui parle pas comme ça. Alors il lui a dit, que dois-je lui dire? Il lui a dit, parle-lui que de ton père. Ne parle pas de ton frère. Alors le lendemain, il le voit et lui dit, prophète d'Allah, le père est mort, je suis la fille de Hatim. Il lui a dit, le noble, le généreux, l'homme d'hospitalité mérite mieux, tu es libre. Le fait qu'il intercède par le nom de son père, le prophète, c'est un personnage qui retient la noblesse des gens, même s'ils étaient dans la mécréance. Il a retenu que Hatim, c'était une légende dans les bonnes qualités, hospitalité et générosité. Alors cette fille-là, elle rejoint son frère, chrétien. Il lui dit, écoute, je suis venu te voir pour ton bien. Cet homme, il n'est pas comme les hommes. Je l'ai vu, je lui ai parlé. Rejoins-le. Si c'est un prophète, tu as gagné ce monde et l'autre. Et si c'est un roi, tu tireras profit de lui. Tu ne seras jamais perdu. Et effectivement, son frère va écouter son conseil. Il va rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il va rejoindre le prophète, il va le rejoindre avec la croix autour du cou. Et le prophète lui dit, retire-la. Et lui cite le verset de ceux qui font de leur rabbin et de leur prêtre des divinités à la place d'Allah. Au lieu d'adorer Dieu, il a... Et Hatim, il répond, et Adi, il dit, mais on ne les a jamais adorés, prophète. Il dit, non, vous les avez adorés. Ce sont eux qui vous donnent ce qui est licite et ce qui ne l'est pas. Est-ce vrai ou non? Lui a dit, oui, effectivement, c'est à eux que revient le droit de statuer qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors il a dit, ça c'est l'adoration que vous leur avez accordée. Vous leur avez donné le pouvoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Et bien sûr, il va embrasser l'islam. Revenons à Burra, qui va devenir Jouairia. Pourquoi le prophète lui a changé le nom? Burra ou Barra veut dire quelque chose de bien. Quelque chose qui a du sens positif. Un sens positif.
Alors le prophète, quand il la quitte ou sort de chez elle, on lui pose la question, tu viens de chez qui, t'as quitté, qu'il dit, j'ai quitté le bien. Si on traduit le terme, j'ai quitté le bien, ça rime pas bon, j'ai quitté le bien. Alors il a décidé de lui donner un autre nom, étant donné qu'il était jeune, une vingtaine d'années, il lui a dit, tu t'appelles Jouairia, la petite fille. Jouairia veut dire la petite fille, tu es Jouairia. Cette fille-là, qui va se marier avec le prophète, qui va apprendre beaucoup de lui, sallallahu alayhi wa sallam, elle était adoratrice, jeûneuse, et surtout une personne d'invocation, dhikr. Une fois le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le fajr, et en quittant chez lui, il la trouve en train, avec un ensemble de pierres, il fait le dhikr. Il a des pierres, et elle compte. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Il est parti pour des choses, faire des commissions, des tâches. Il revient au zénith. Il trouve Jouairia toujours à sa place où il a prié, avec les mêmes pierres. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Il lui a dit, depuis que je t'ai laissé, t'es comme ça? Il lui a dit, oui, depuis que tu m'as laissé, je suis en train de faire du dhikr avec ces pierres. Il lui a dit, j'ai dit, après toi, quatre phrases, trois fois. Ils pèsent plus lourd que ce que tu es en train de dire. Puis-je les apprendre? Il lui a dit, certes, prophète d'Allah. Il lui dit, subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dieu soit loué. Dieu soit loué par son louange. Au nombre de sa création, au nombre de son agrément, au nombre du poids de son trône et sa beauté, et au nombre de l'encre qui coule des plumes. Et vous savez, ça n'a pas de limite. Voilà, je les ai dit trois fois, ça pèse plus lourd de ce que tu as fait toute cette matinée jusqu'au zénith. Jouairia, c'est une jeûneuse. Une fois le prophète, il rentre, c'est un vendredi. Il lui dit, tu jeûnes? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, t'as jeûné hier? Il lui a dit, non. Est-ce que tu as l'intention de jeûner demain samedi? Non. Il lui a dit, mange. C'est-à-dire, une leçon qu'on tire, on n'a pas le droit de jeûner le vendredi, tout seul. On parle hors Ramadan, hein. Un jeûne surrogatoire. On ne parle pas de jeûner Arafat, on ne parle pas de jeûner les six jours de Shawwal, on parle vraiment jeûner surrogatoire à l'écart de tout ce qui est surrogatoire fixé et déterminé. C'est celle-là, Jouairia. Elle a vécu 50 ans après l'immigration. Elle est morte à l'âge de 65 ans, à la période où Mahawi, il était gouverneur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est marié avec elle pour rassembler les tribus arabes autour de l'islam, autour de sa personne, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il s'est marié avec Maria la copte pour dire aux chrétiens que l'islam, il accepte l'autre. Maria, il a embrassé l'islam. Il est arrivé chez lui esclave. Un cadeau envoyé par le roi de l'Égypte, Al-Muqawqis. Et le prophète lui a proposé l'islam. Tu acceptes l'islam? Il lui a dit oui. Il a fait d'elle une épouse et c'est elle qui lui a donné son enfant, son fils, Ibrahim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec une femme juive. Elle était la fille du chef de Bani des gens de Khaybar. Elle était la fille du chef. Safiya bint Huyay, ibn al-Akhtal. Son père, c'est Huyay, le chef de la tribu des juifs. Elle était aussi parmi les prisonnières. Il est parti la libérer. Il lui a proposé l'islam. Il a accepté l'islam, il a fait d'elle une épouse. Pourquoi il a fait d'elle une épouse? Pour dire aux juifs, comme il a fait avec Maria, pour dire aux chrétiens, voilà ce qu'on est notre religion. On ne fait pas de discrimination. Du moment que l'être nous accepte, on l'accepte. Il fait partie de nous. On ne le rejette pas. Il aurait pu, si l'islam, il gérait les choses comme les autres, comme on voit en guerre, quand on entend parler en Irak, combien de femmes tuées, combien d'enfants tués, quand on parle en Afghanistan, combien il y a de meurtres, au nom de la liberté et de la démocratie. Voilà ce qu'il fait l'Occident, voilà ce qu'il fait l'islam. Il a fait de Jouairia une femme qui a rendu service à sa communauté. Et d'ailleurs, Aïcha le souligne, il dit, je n'ai pas vu une femme dont la bénédiction, elle était immense envers sa communauté comme Jouairia. Le jour de son islam, plus de 100 personnes ont été libérées de l'esclavage
et des tas de prisonniers. Et c'est ça ce que veut notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce mariage, c'est ce qu'il a voulu. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما، ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، واقض حوائجنا، واستر عيوبنا، ويمن كتابنا، ويسر أمورنا. وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات قضي حوائجنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، في هذه العشر من ذي الحجة ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات، الأبناء والبنات، إنك رحيم مجيب الدعوات. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واقسم اللهم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم شافينا وعافينا. اللهم رب الناس ذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ناصر انصر من نصر دينك. اللهم يا ناصر انصر من نصر دينك. اللهم يا ناصر انصر من نصر دينك، واخذل من خذل دينك. اللهم إنا نسألك أن تسلط غضبك وقهرك وجبروتك على الخونة والظلمة. اللهم احصهم عددا وشتتهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا. وهيئ لهذه الأمة أمر رشدين يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم على راية الإسلام وعلى سنة نبيك سيد الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن لا تترك مجلسنا هذا إلا بذنب مغفور. اللهم اجعل هذا المجلس وهذه الجمعة بذنب مغفور ودعاء مسموع مبرور. ونسألك يا الله لحجاجنا الذين سافروا أن تيسير لهم مناسكهم. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا. إخوتي أخواتي، يوم الاثنين إن شاء الله يوم عرفات، وصيام عرفة يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة، فنسأل الله أن ييسر لنا صيامه. صوم عرفات فيه كفارة لسنتين، سنة سابقة وسنة لاحقة. ما معنى كفارة؟ قال العلماء للذنوب الصغائر، الذنوب ديال 1434 اللي احنا فيها يكفرها الله، والسنة القادمة 1435 يكفرها الله سبحانه وتعالى. فلا تضيعوا أنفسكم ولا تتركوا هذه الفرصة تفوتكم. ومعنا فتاتين إن شاء الله سيعتنقان الإسلام بعد الصلاة. وأذكر الأسبوع الماضي جمعنا ما تيسر لمصاريف المسجد كالعادة في العادة الشهر الجمعة الأولى، فكان العدد 800 أورو وشيء، والمفروض هو 1700 أورو تغطية لراتب الإمام والحارس، فلا زالت أمامنا نجمع 900 أورو. فأنفقوا ينفق الله عليكم، ولن يضيعكم الله في هذه العشر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.